Le Congo souhaite s'arrimer aux standards internationaux en matière de formation médicale. Dans ce sens, la formation au niveau des écoles paramédicales connaît cette année 2022 des réformes dans les filières de sages-femmes, techniciens de laboratoire et des infirmiers généralistes. Dans une communication le mercredi 3 août 2022, le directeur général de l'enseignement professionnel, Christophe Lia, précise que les réformes consistent à donner plus de connaissances aux apprenants des écoles paramédicales pour obtenir le diplôme équivalent à la licence après 3 ans de formation au lieu de 2 ans comme auparavant. Brazzaville et Pointe-Noire ont été les premiers départements à prolonger leur formation. Ces réformes s'étendront progressivement dans toutes ces écoles sur l'ensemble du territoire national. Je suis venu pour que nous puissions imposer une nouvelle dynamique à la force mixte Tchad-Soudan, chargée de lutter contre les trafics d'armes, le grand banditisme et des stupéfiants. Tels sont les propos d'Akoumini Minawi, le gouverneur de la province du Darfour, au Soudan, alors qu'il était reçu le mardi 2 août par le président du conseil militaire de transition tchadien, Mahamat Idriss Déby. La force mixte Tchad-Soudan est une unité tchado-soudanaise chargée de la surveillance de la frontière depuis 2010 qui dispose d'un droit de poursuite sur 100 km de part et d'autre de cette dernière. Elle est composée de 3000 hommes à part égale entre les deux pays. Une conférence consacrée à la force mixte est justement prévue à Khartoum et le sujet a été évoqué par le gouverneur de la province du Darfour avec le président de la République du Tchad. Le Cameroun va se doter d'une raffinerie d'or dans les tout prochains mois. L'annonce est du directeur général de la Société nationale des mines. Serge Hervé Bouyongeno a rencontré au mois de juin 2022 un consortium d'entreprises sud-africaines conduit par le cabinet Africa First. Après une phase de maturation quasi achevée, le projet de la dite raffinerie devrait entrer dans sa phase opérationnelle avec le lancement des travaux des bâtiments devant abriter ces structures. Le Cameroun compte s'arrimer aux normes internationales en matière d'opaillage. D'après les responsables de la Société nationale des mines, les raffineries de l'or servira à produire de l'or monétaire selon les standards internationaux. Il s'agit d'un produit prêt pour l'usage industriel et la bijouterie. Ce produit peut également servir pour les transactions financières entre les organismes publics ou privés sur le plan national et international. Cette raffinerie représente aussi un point positif pour la visibilité sur la production aurifère qui est enregistrée sur le plan national. En 2020, le pays a produit 223,2 kg d'or. Alors que le Gabon veut renouer avec la célébration grandeur nature de sa fête d'indépendance, les autorités qui ont adressé une invitation formelle au président du Sénégal, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, annoncent sa présence pour les festivités. La parade prévue à cet effet le 17 août 2022 va marquer 62 ans d'accession du Gabon à l'indépendance. Outre le président sénégalais, d'autres personnalités comme Abdullah Shahid, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, sont aussi attendus. Pour les deux éditions précédentes, des parades militaires simplifiées s'étaient tenues sur l'esplanade de la présidence de la République en lieu et place du boulevard de l'indépendance pour cause de pandémie. Afin de répondre à une exigence de transparence dans la gestion des fonds mis à sa disposition, la commission du bassin du lac Tchad va recruter un cabinet d'audit international pour réaliser la mission d'audit financier des ressources fournies par les États membres. Selon un appel à manifestation d'intérêt publié par l'organisme le mercredi 3 août 2022, le mandat du cabinet, la méthodologie requise, la qualification et la composition du personnel sont détaillés dans les thèmes de référence. L'organisme indique par ailleurs
que les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au manuel de procédure administrative, financière et comptable de la Commission du bassin du lac Tchad. Les soumissionnaires ont jusqu'au 26 août 2022 à 14h pour déposer leur dossier à N'Djamena, la capitale du Tchad, ville qui abrite le siège du secrétariat exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad. Pour rappel, la Commission du bassin du lac Tchad est une organisation régionale regroupant le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine et la Libye. Créée le 22 mai 1964, elle a pour mission de promouvoir la coopération entre les États membres en vue de l'utilisation équitable et durable des ressources naturelles du bassin du lac Tchad à des fins économiques et d'aider à la résolution des différends.